Putain, ça va être froid. Ah, oh, puis tu pues l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour toi? Ça aussi? Bon. Alors. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Je te promets de jamais rien dire à personne. J'ai commencé par voir des lumières, des sortes d'apparitions, par entendre des sons étranges. Une fois, je me suis sentie transportée ailleurs. Ça m'avait peur. Plusieurs fois après, j'ai eu l'impression que mon esprit ou mon âme, appelle ça comme tu veux, c'était un feu qui projetait des flammes immenses et qui n'arrêtait pas de grandir. Alors il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai été comme enlevée dans un autre monde et je me suis retrouvée unie. Unie à quoi? Les mots correspondent pas. C'était disons Dieu. Mais pas du tout la représentation qu'on en a. J'avais l'impression de fondre. Que mon corps n'existait plus. C'était comme un délice. Je ne faisais plus qu'une avec tout l'univers. Et j'étais en même temps enveloppée d'un immense sentiment d'amour. Au réveil, il me devient pénible de vivre. Toutes les choses d'ici me semblent étrangères. Je me sens écartelée. Sans aucun secours de ce monde que je viens de quitter. Mais sans être non plus d'une autre que je n'habite plus vraiment. J'éprouve alors une douleur terrible. Et en même temps, un immense sentiment de détachement.